Il me faudrait un peu de temps avec votre sorcière. Je m'attendais à votre visite, Capitaine. Puis-je vous offrir une tasse de thé? Je n'y tiens pas, mais c'est très délicat. Le prix pour franchir ma porte est le sang, Capitaine. Voilà qui explique que vous n'ayez pas l'air débordé. Tout le monde finit par payer. Shansa, voilà longtemps que nous sommes liés. Je vous ai sauvé de la potence, ne l'oubliez pas. J'ai maudit vos ennemis. Mais vous revenez vers moi par peur, car les morts ont pris le commandement des océans. Et pourquoi les morts s'en prendraient-ils à moi? Pas vous, Capitaine. Ils cherchent un certain Sparrow. Jack! Jack voguera vers le Trident avec une fille et une perle. Le Trident ne sera jamais découvert. Le Trident est l'unique espoir de Jack. Les morts conquèrent les mers, incapables de fouler la terre ferme. Vous pourriez vous retirer quelque temps à la campagne. Au milieu de l'herbe. Dans une ferme. Pour traire les vaches et produire du gruyère. Pendant qu'ils cherchent mon trésor. Une seule question se pose, Capitaine. Est-ce que ce trésor vaut la peine de mourir? Je suis un pirate. Je le serai toute ma vie. Alors comment sauver ce qui m'appartient? Jack détonait un compas. Il indique ce qu'on désire le plus au monde. Mais si vous trahissez le compas, il libérera votre plus grande peur. Et la plus grande peur d'un pirate est Salazar, c'est ça. Où l'avez-vous trouvé? J'ai mes secrets. Guidez-les vers Jack avant qu'il trouve le Trident. Et tout votre trésor vous sera bientôt rendu. Il est temps de marchander avec l'au-delà.